Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons les Jets. La faction Poisse, ma faction Poisse. Voilà, si vous avez vu le premier épisode, je pense que vous auriez totalement compris de quoi je parle. Y a rien qui se passe bien. Y a du moins comme prévu. Y a rien, rien qui se passe comme prévu. Absolument rien. Ah si, au début, au tout début, c'est vrai, quand j'ai pris Petronava, ça s'est tout bien passé. Après c'est parti en cacahuète. Après c'est totalement parti en cacahuète. Là on est bien. Par contre là ce qui est cool c'est qu'il y a Audricia qui se met bien. On a des bons alliés au sud pour l'instant. Je pense aller récupérer l'Illyria. Même si bon là j'ai mis... J'ai mis mon espion là, je sais pas si c'est mieux. En fait, pour piller, c'est bien, mais après, pour récupérer du territoire, c'est pas ouf. Après, j'ai pas récupéré de territoire de suite, j'ai plus besoin de thunes. Parce que. J'ai vraiment de la construction à faire là. L'ordre public monte. Bon, je suppose qu'en Dacia, il doit être pas trop mal. Ça y est, très bien. Là, c'est l'hiver. Ok. Il faudrait qu'on améliore ça. Et ça. Ah, bah, j'ai pas les technos. Ok. Bah, ah, bah. On peut faire un scène. Là, ils ont faim. C'est très bien. Là, les Boyens. Impeccable. Les Boyens, là, le fait de les avoir libérés, c'est super. On bloque le. On bloque le passage des Suèves grâce à ça. Suèves qui en plus s'entendent mal avec. Ah, juste l'ego. Comment ça me coûterait? 1007. C'est pas donné. Là, j'aimerais bien les piller Noria encore un coup. Il me semble que j'ai plusieurs tours de paix avec eux aussi. Hop, 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 ça bientôt. 4000. Après ça me rapportera pas mal. Plus 3 artillerie contre les murs. Quoi? Quoi? Bah comment ça mon ref? Comment ça contre les murs? Contre? Enfin. Le but c'est de défendre nos murs, c'est pas de les casser nos propres murs. Enfin. Stratège, hein, quand même. Je sais pas, c'est comme si tu faisais des réserves de bouffe pour l'hiver et tu disais. Dans tes réserves de bouffe pour l'hiver, tu mettais un truc genre. Plus 3 pourrisseurs de bouffe. Bah non! Qui est-ce qui fout la punaise? Oh putain. Je crois qu'il a fait une sacrée connerie. Hein. Ah, il a pas de perte sur les pendant l'hiver lui. Bah putain, il a de la chance. On a combien de tours là pour aller 2. Ok. Ça me va. Faire de cavalerie, elle coûte cher. Je vais laisser là encore un tout petit peu.
pour augmenter l'ordre public. Qui dit plus ordre public dit meilleure imposition. Mais qui dit meilleure imposition dit meilleur revenu. Qui dit meilleur revenu dit... Non. Qui dit meilleur revenu dit plus de bâtiments, plus de revenus, etc. etc. Plus d'ordre public, enfin... Un cercle vertueux. Alors... Les Boyens, c'est les Suèves, ok. Donc possiblement j'ai les Boyens sur la tronche encore une fois bientôt. Donc à se méfier. Parce que là si on regarde, on va avoir de sacrés malus de taxes dues à l'ordre public, hein, non? Je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est. Comment j'avais vu ça? Améliore la croissance et la richesse locale. Ouais. Attends, oui, avoir du bonheur, ça l'améliore, mais. Réduit, oui, bon, d'accord. Ça a une logique, ça a une certaine logique. Et est-ce qu'il meurt de faim, là? Je suis même pas sûr. Les opinions, ils sont allés, ils sont déjà revenus. Hein. Bon, ça se passe. Lugien. Guerre contre les Lugiens. Oh, mon petit homme dit, ils vont se faire fumer. Hein. Bon, là, on est bien. Alors. Oh, les Apuliens, en fait. Voilà. Non mais c'est bon, il y a du monde derrière là qui m'attend 2180. Oui, bon. Ah, disons que c'est toujours ça de prix quoi. Ouais, je sais pas, c'est un troupe de pillards aussi. Est-ce que j'ai un truc qui augmente le pillage quelque part? Ah ouais, ici, pillage. Donc je vais très certainement recruter un nouveau général qui sera dédié au pillage. Tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part. Ça ne déverrouille rien. Est-ce que ça vaut le coup, ça ne déverrouille rien comme unité. Terme, ouais, mais... Je préférerais faire ça avant. Ah, ils veulent récupérer Noria, les petits salions. Ah, mais qu'est-ce que je vais piller, moi, si Noria...
Choix difficile. Est-ce que je la pille? Est-ce que je la rase? Je peux pas le faire. Ça sert à rien. Est-ce que je la garde ou pas en fait? C'est la question. Dans tous les cas, ce sera les Apuliens qui vont la récupérer. Je pourrais en faire. Ouais, je sais ce que je vais faire. Putain, je les ai foutu tant dans la merde que ça. Ok. C'est que là, je vais faire un point de blocage. Je m'explique. C'est que si jamais ils veulent venir de Patavium, de Coria, d'Octo, du Russe, de machin, du truc là, de Kessurgis, etc. Ils vont devoir passer Noria. Et ils vont... Putain. Et passer Noria, c'est pas forcément le plus simple. Par contre, ce qui est chiant, c'est que ça me retire un point de pillage. Et bon, le problème aussi, c'est que il réparait pas. Ce couillon, il réparait pas. Et que je pouvais pas piller tous les tours non plus. Ouais, c'était pas plus agréable non plus que ça. Les Boyens se faction les trucs. Les Suèves en plus ils sont à mes portes. Ah, les Lugiens aussi. Bon, après j'ai pas mal d'unités au corps à corps pour me défendre au cas où. Bah je sais ce que j'ai à faire. Là mon espion je vais l'envoyer là-bas. Mes troupes je vais les faire remonter. Je vais défendre à Kink. Moi je vais défendre le passage qui est là. Et on va aller. Et je vais aller piller Kessurgis et. Putain hein. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà, bien joué. Là, je vais pouvoir libérer ce qui va me faire un petit peu de sous. 850, c'est pas des masses. J'aurais bien aimé plus. Non, mais c'est clairement qu'on va aller les calmer un coup quand même, les Suèves. Au bout d'un moment, là, c'est bon. Recruter un champion. Ah ouais? J'en avais un? Ah, il est peut-être mort lors de la bataille ici. Ah. Des pierres. Ouais. Recrute quelques unités. Là. Là, je pense. Il va regretter un petit peu de venir m'embêter. Moi, je vais tout faire pour qu'il le regrette amèrement. Avac, ok. Est-ce que je peux vraiment faire quelque chose? Oui. Je vais m'avancer. Hein. Comment puis-je vous assister? Alors, au travail. Je vais chercher. Ils sont beaucoup? Non. Enfin, suffisamment pour me faire chier, quoi, mais. Ça reste raisonnable. L'ordre du public, il augmente bien assez, Gestif, hein, dans cette province-là. En Pannonia, c'est ça?
Tous autant que vous êtes, vous me les prisez. Tous. À part un pour attraper l'autre. Ça me coûte combien? L'embuscade. Hein. Espérons que là, ce que je lui vole, ça suffise. Félicitations, tu es promu en tant que noble. Chaque fois, je fais 615 de revenus partout. L'embuscade a fonctionné. Pour avoir pas mal de revenus grâce aux captifs. Ça va me permettre d'améliorer mes troupes. C'est moins bien qu'un pillage, mais ça reste correct, quoi. L'ordre public, oui. On va recruter lui. Ah, pas de peau. Améliorer. T'as tué une entraîneuse. On se bouge. En chemin. Tous guerriers. On se lance. Je fais une position fortifiée là. La Macédoine a été détruite, les Anartes ont été occupés. C'est que ça bouge là. Rome de Tilly, c'est Odricia. Ils font ça bien. Là, ça m'embête un peu de recruter ça. Mais le choix, je vais pas vraiment l'avoir. Les survivants. La question, c'est meurt-il de faim? Non, hélas. Là, on a une embuscade. C'est pas mal, hein. Là, on a... Oh, bah si, attends. On a de très bons ennemis. Et je pense avoir assez de revenus surtout pour faire yes. Ce qui fait que là je vais économiser ça. Et un rassemblement, c'est ça. Oh, je peux même pas. Non, à 20 d'or près. Comment vont-ils attaquer ma position fortifiée? Je vais voir, est-ce que je peux libérer ou est-ce que ça serait... Ah, ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux et... Ah, j'avais oublié que j'avais des troupes de merde. Oh non! J'ai totalement zappé, j'avais des troupes à chier. Oh, putain. Con de moi. Bah oui, vas-y, oui. J'ai mon général. Non mais c'est tout, hein. Ah, alors, on a malchance. J'ai quand même
mon général qui a amélioré ses défenses. Donc, c'est pas non plus mauvais. Oh, les éclairs là, faut pas être épileptique, hein. Chevaux de frise, je vais en mettre un et je vais en mettre deux là, parce que je sais pas d'où est-ce qu'ils peuvent venir les autres. Et voilà. Non, c'est pas les chevaux, ça c'est de l'île pierre coupante ça d'ailleurs, c'est pas les chevaux de frise. Ah, pieux. Autant pour moi. En plus, c'est même pas des chevaux de frise, c'est des pieux. Ce sont des pieux plus. Hein. Là, je pense que de toute façon. Absolument falloir que je les regroupe à balle. Parce que sinon, ça reste, devrait pas se voir. Qui, à mon avis, seront très sensibles aux charges. Bon, là, le reste, c'est une boule. Ce sont des boules de feu, donc. Alors, on va voir d'où vont venir les renforts. Le pire ce serait qu'ils viennent de par là. On a qui viennent de là. Ça m'arrange. Est-ce qu'il y a tout qui vient de là? Ils sont nombreux. Voilà. Cahier de la chasse là. Et la chiasse, ouais. Nous ne connaissons pas la peur. Faire sortir mon général. C'est par le lit de pierre coupante. Là. Et on va pouvoir charger pour deux raisons, les barricades et les pieux. Voilà. Et on va être obligé de détruire les barricades. Gildebert, les pieux t'ont pas fait très mal. Hein. J'ai oublié quelque chose d'important, c'est qu'avec tout ça, on va prendre le mode garde. Hop, que tout ça. Je vais leur demander là, à eux de tous de sortir. Et que. On va demander d'aller en renfort ici. Ainsi que lui. Je suis obligé de les serrer comme il n'y a pas possible parce qu'ils se font pourrir quoi. Là, ça va être de l'unité à distance. Non, même pas. Tous leurs unités à distance. Jeune Germain. Jeune Germain. Jeune Germain. Et jeune Germain et jeune Germain. Merde, ça fait beaucoup quand même pour une unité de cavalerie. Carry que je vais sortir. Là, je laisse juste quelques unités au cas où. On n'est jamais trop prudent. Ça va être compliqué. Hein. Regardez la cavalerie là qu'elle a depuis le début. J'ai des unités à lance, la cavalerie, ils s'en sont toujours pas débarrassés. Hein. Ça va être compliqué. Donc là, ils sont en train de courir apparemment. Déconner, hein. Un peu plus. Donc là, je vais leur demander de faire le tour pour les attaquer par l'arrière. Ma cavalerie. Voilà. Eux. On va demander de gentiment sortir.
être là. Ah, la queue leu-leu. Bon, dernier sorti des vies de pierre coupante là. Bon, pour l'instant, au niveau des pertes, bon. Je cherche pas à faire trop de pertes chez l'ennemi pour l'instant. Trop de pertes à l'ennemi pour l'instant. Le but, c'est vraiment de bloquer le passage. Et là, il pousse sacrément quand même. Vache. Dès qu'ils sont arrivés, eux, là, j'ai enverré ma cavalerie sur ces jeunes germains. Allez les gars, j'y crois, vous pouvez vous déplacer. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais... Voilà. Hop, lui, je pense qu'il m'a vu. Et qu'il était en train de se demander comment il pourrait m'attaquer. Non, par contre. Il m'a sérieusement balancé des projectiles sans aucune vergogne. Bon, la charge, elle a fait du bien là. Oh la vache. Hein? Ah ouais, même là, ça fait perdre du moral. A mon avis, c'est parce qu'ils ont dû voir ces troupes là. Ouais. Hop. Ici, je veux absolument bloquer le passage. Tu es un sorcier, Harry, j'ai entendu ça. Bon, alors, un petit souci, c'est qu'ils vont se reconstituer. Donc, on va essayer d'aller les choper. La bingo, qu'est-ce que je disais? Putain, il tient à combien là? Qu'est-ce que... Il mobilise mal en tout cas. Hein. Il y a un truc qu'ils savent faire, c'est mobilir mal. Ah ça, ils savent très bien le faire. On va faire mine de les attaquer, ça m'évitera d'avoir des pertes stupidement. Ou pas d'ailleurs. Ils sont face à une unité de général et ils sont totalement isolés et ils tiennent. Putain, ça finit à 19 quoi ça. Hop. Tac, tac, tac. Eux là, je veux qu'ils viennent. Comme ça. Et là. Vraiment, il faut que le feu à ce bâtiment. Allez, ils se bloquent l'un et l'autre. Terrible. Bon, reculez. Je veux pas que vous soyez pris dans cette zone. Bon, là, normalement, il devrait se faire des jeunes germains. Il n'aurait pas trop galéré, quoi. Là, ça fait mal.
Hop, et là le but c'est d'en laisser le moins possible sans sortir. Oh, mais laissez-moi me placer s'il vous plaît. Voilà. Tiens, toi, allez poursuivre là. Ici, oh, il a gagné. Miracle. La colline de Bonnivet, je ne pouvais pas y croire. Mais pourquoi tu vas te foutre là-bas, sérieusement? Il y a des pieux là, tu vises les pieux quoi, c'est... aucun sens. Allez, on va en accélérer. Merde. Ok. Allons chercher les quelques fuyards là-bas. À moins que les quelques fuyards se transforment en beaucoup de fuyards ici. Ouais, bah oui, ça a l'air. Donc. Besoin de resserrer trop long notre formation pour l'instant. On s'assure juste que petit à petit, donc on lui laisse pas d'échappatoire, très peu d'échappatoire. Hop, c'est bon, t'as fait ton travail, reviens. Continuer, bien évidemment. Ils étaient 120 presse barrés, hein. Aura fait au moins 550 pertes pendant cette bataille, c'est bien. Et là, ça bouge plus. Bah, je vous félicite, les gars. Oh, bravo. Vous étiez donné perdant. Vous avez suivi mes consignes, vous avez gagné. Fier de vous. Wesh, ils ont fait mal. Waouh. Oh, c'est des fuyards qu'ils ont eu. Pour être autant en forme. Waouh. 623. Ouais, des fuyards pareil. Allez. GG. Wow. Oh, le ratio il est bon. 623, bah ouais, enfin, plus que mon général. Ouais. Il est full fuyard. Hein.
On va aller relibérer les Boyens. Alors on va piller. Déjà on va relâcher ce qui va nous faire de la thune. On va piller la ville, puis on va la libérer. Ça va se faire vraiment un paquet de boulasses, quoi. Ouais, j'ai eu un survivant ici. Enfin, il a eu un survivant. 2, 3, wow. 1583, c'est tout? Putain, c'est pas des masses, hein. Usure. Ah oui, oh. Rebelle Boyens. Ah bon? Allez. Pied. Libéré. Bah, je me suis même pas fait tant de thunes que ça. Hein. Un peu dégoûté. Ici un bon petit pillage. J'ai pas me prier pour aller lui piller sa deuxième ville. Ouais, 5 d'ordre public, au positif. Donc, Assurgis, est-ce que tu as tombé au nom des rebelles? Oh, je peux aider, hein, moi je les aide, les rebelles, il n'y a aucun problème. Quel dommage. Ça reste mon roi, on va faire attention quand même. J'ai pas de reconstitution, ça pourrait faire mal. Ouais, ça me va. Non, ça me va pas. Voilà, les Boyens qui ont pris ça grâce aux rebelles. C'est quand même fort. Hein. Oh non, mais putain, mais je suis bloqué. Voilà, je suis totalement bloqué. Non mais mes troupes sont bloquées parce que trop proche de la ville et en mode embuscade. C'est terrible. Et vous allez voir, je peux rien y faire, on va attendre un tour. C'est chiant. Oh, 399, je gagne par tour. Oups. Donc à moins que quelqu'un tombe dans mon embuscade. C'est quoi ça? Voilà, donc
j'ai à manquer quelqu'un dans mon disque. Dans mon... Bah, voilà. Bah, je ne peux rien y faire. Donc, bah, on va faire bouger mon espion. On a réussi à avoir un outil. Ah. C'est con. Donc, je vais sûrement dissoudre. Pour en refaire une neuve. Ça fait un peu chier. Hein. Tribal. Oh, le royaume de Tis, il a défoncé Odrissia en un tour là. Oh. C'est terrible. Terrible ce qui vient de se passer. Forcément que j'envoie des troupes à Malva, on ne sait jamais. Bon là ça bougera pas. Je sais parce que c'est quand même cher en recrutement quoi, j'ai pas envie de. J'ai pas envie d'abandonner quoi mais pas sûr d'avoir le choix. Quand je dis tout se passe mal. À un tour près, j'avais des troupes hein, ici. Hein. Je sais pas d'où viennent les esclaves. Hein, à un tour près, j'avais des troupes prêtes à défendre. J'avais aucun moyen de savoir qu'ils allaient venir. Ah, je peux bouger. Me demandez pas pourquoi d'un coup je peux bouger. Mais clairement je vais en profiter. Ah peut-être parce que ils ont détecté mon. Ouais, il y a quelqu'un qui a détecté mes troupes, donc. Hein? Alliance établie, Suève, Bouyens. Tous guerriers. Qu'est-ce que... Ah d'accord. Quoi? Une faction émerge. Libérée. Bon, bah écoutez, moi ça me libère mes troupes. Entre guillemets. Barons-nous. Ce que j'ai à dire. Est-ce que les esclaves iraient pas à Sigindun? Non mais par pur hasard, hein, c'est des fois que... des fois il se passe des choses. Non. C'est bon, mon...
Laissez-moi en paix. Laissez-moi en paix. Ah, mais c'est pas vrai! Confédération germanique, carrément, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, bah on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous propose de me retrouver demain pour le prochain épisode. Allez, c'était Job. Ciao.